Si t'es femme entrepreneur, si t'es débutante, intermédiaire, avancée, souvent, tu peux ressentir une très grande solitude. Surtout quand tu commences au début. Parce que construire une communauté, construire les réflexes de l'algorithme sur Facebook, sur Instagram, ça prend du temps, ça prend des techniques, des tactiques, etc., etc. Que moi, je t'enseigne dans Social Media Love. Donc, j'ai créé un système en français auquel je vais t'inviter dans 2 minutes. Mais avant de t'inviter, je vais te dire les trois buts de ce système-là. Le tout premier, c'est d'augmenter le nombre de pères Dieu qui vont voir tes posts. Alors, ça peut être post sur Facebook, post sur Instagram, post sur LinkedIn, post où tu veux, sur YouTube. Ça pourrait même impliquer, j'ai pas mis ça, j'ai mis juste les plateformes sociales, mais je suis tout à fait ouverte à ce que ça inclut aussi les blogs. Si tu as des articles de blog que tu publies couramment, l'essentiel, c'est de t'amener à publier avec persévérance. Si tu choisis que c'est tous les jours, c'est tous les jours. Si c'est tous les 2 jours, c'est tous les 2 jours. Mais non seulement tu vas publier, tu vas te montrer en ligne, tu vas partager ton message, tu vas aider ta clientèle ou ta clientèle potentielle, mais tu vas partager ce que tu fais avec d'autres femmes entrepreneurs qui, elles aussi, sont en train de monter leur communauté. Donc, tu vas avoir plus de personnes qui vont voir tes posts. Alors, tu vas me dire, ouais, mais Angélique, si j'attire des gens qui sont pas mon client, mon avatar potentiel, je vais donner des mauvais messages à Facebook ou à Instagram qui vont aller me chercher des gens qui sont pas vraiment mon client idéal. Au début, c'est ce que je pensais. Moi, je l'ai testé en anglais. J'ai fait partie comme ça de deux groupes où, justement, on s'entraidait entre femmes entrepreneurs. Et c'est devenu magique. Non seulement j'y ai trouvé des gens pour faire des collabs avec, des collaborations, j'ai trouvé des gens qui sont devenus des prospects, qui sont rentrés dans mes groupes, qui ont téléchargé mes bonus. Donc, tout ça pour te dire que les personnes qui vont aller te consulter tes posts au quotidien, à travers l'outil que j'ai mis en place pour toi, ce sont des personnes qui sont pas forcément ton avatar idéal, mais sont des personnes qui vont s'intéresser, qui vont te poser des questions généreuses, des questions qui vont faire avancer, qui vont te faire t'exprimer. Et comme on le sait, Facebook, ce qui compte avec Facebook, c'est les interactions, les conversations meaningful en français qui ont du sens, qui sont vraies, qui sont pas fluffy. Donc moi, j'ai personnellement utilisé pendant un an et je te jure que c'est une partie de pourquoi ma communauté a grandi, de pourquoi j'ai fait tant de relations, de pourquoi quand je vais à des conférences, je rencontre des gens que j'ai rencontrés dans les commentaires. Donc, ça marche parce que tu construis des relations qui sont vraies, authentiques, généreuses, et tu as des gens qui vont découvrir ce que tu fais, qui vont dire, oh, mais finalement, ça m'intéresse ça. Par exemple, admettons que tu es quelqu'un qui s'occupe d'aider les personnes à perdre du poids, par exemple. Alors, peut-être que dans ta communauté de femmes entrepreneurs que tu rencontres tous les jours, ça va être vraiment des gens qui vont, par exemple, tu vas y avoir des coachs de vie, des gens qui pourraient te parler du mindset. Tu pourrais les inviter à un moment donné sur ta page Facebook, sur ton blog, pour un guest blog ou des choses comme ça, les interviewer. Et ce serait comme un service complémentaire à ta communauté. Et ça, je vois beaucoup de ça qui arrive en anglais. Donc, personnellement, je connais pas de groupe en français, qui font ça d'une façon sur le long terme et vraiment d'une façon généreuse. Donc, j'ai décidé d'ouvrir ce groupe qui s'appelle Agir, parce que je veux que tu agisses tous les jours et que tu te montres le bout du nez tous les jours dans les réseaux sociaux pour aider les gens, pour parler de tes produits, pour parler de tes services d'une façon évidemment habile et surtout d'une façon où tu vas montrer comment démontrer ton expertise, démontrer comment tu peux aider les gens de façon gratuite. Et si les gens veulent aller plus loin avec toi, acheter tes produits, tout ça, ce sera possible. Mais vraiment de construire une communauté autour du storytelling, autour de montrer qui tu es, de montrer ta vulnérabilité, de montrer tout ce que tu fais, de partager peut-être des témoignages avec tes clients, des choses comme ça. Bâtir sur le long terme ta communauté, j'allais dire internationale, oui, effectivement, ta communauté internationale en ligne. Ok? Donc ça, c'est le agir. Le interagir, c'est que tous les jours, et je vais te montrer comment ça marche dans 2 minutes. Tous les jours, quand tu vas interagir avec au moins 3 personnes qui sont dans le même fil d'actualité que toi, dans l'outil que j'ai créé, tu vas aller interagir sous leur post, tu vas lire leur post. Si les personnes posent une question, tu vas répondre. Si tu as une question, toi,
que soulève le post qu'elles ont écrit. Tu vas interagir d'une façon, pas juste pour, OK, j'ai interagi, bye bye. Non, non. Tu vas interagir avec authenticité dans le but de soutenir ta sœur femme entrepreneur. OK? Et quand tu fais ces choses-là, souvent d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que il se pourrait que tes amis, tu sais, des fois, Facebook, si tu es sur Facebook, montre que tu commentes sur une page. Donc là, peut-être tu pourrais attirer certains de tes amis à s'intéresser à cette page. Et c'est comme ça que la boule se forme et que ça peut arriver à des super cocktails. Comme je te le dis encore une fois, moi, avec cette méthode-là, j'ai récupéré des leads, j'ai récupéré des gens avec qui j'ai fait des collaborations et j'ai récupéré des gens que j'ai rencontrés en vrai dans la vraie vie. Donc, c'est des connexions qui marchent parce qu'on est parfois si seul en tant qu'entrepreneur à créer des choses merveilleuses, mais on a besoin de feedback quotidien pour nous aider à continuer. Ok, ce groupe-là va te permettre ça avec des femmes qui ont le même, comme la même niaque, le même envie d'avancer. Donc première chose, ça va t'aider à augmenter la portée de tes publications sur les réseaux sociaux parce que plus de monde vont les voir. Deuxièmement, tu vas connecter avec des femmes d'affaires qui sont passionnées, qui passent à l'action, qui sont là tous les jours et ou tous les jours ou à la fréquence qu'ils ont décidé. Ce que je veux dire, c'est qu'elles s'en tiennent à leur, elles s'en tiennent vraiment à leur programme. Ok? Et la troisième chose, c'est que tu vas trouver des prospects ou des partenaires. Et ça, je te garantis, sur le long terme. Alors, je vais te montrer comment ça va marcher. Salut sur Instagram. Et si tu regardes cette vidéo-là sur YouTube ou LinkedIn, salut à tous. Laisse-moi des messages. Je vais te montrer tout simplement comment ça va fonctionner. On va aller, je vais te montrer, ça se passe sur Facebook, tout simplement. Ok. Alors, voilà le groupe. Ça s'appelle Agir, Interagir, Grandir. Et c'est vraiment le but, c'est d'agir, c'est d'interagir et de grandir ta communauté, de grandir en fait aussi tes relations avec les autres. Et tous les jours, donc, je publie le post du jour, si tu veux. Comme ici, ça dit post du samedi, parce qu'on est samedi au moment où j'enregistre cette vidéo. Ça donne la date que tu vois ici, le 16M et commente. Donc, commente sous ce post en ajoutant le lien URL de ton post Facebook. Okay? Donc, je vais te montrer comment on prend le lien URL d'un post Facebook, on fait un copier-coller. Alors, ça peut être Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Pinterest, peu importe. Là où tu montes le bout de ton nez tous les jours en ligne. Okay? Pour qu'on puisse aller l'aimer et commenter sous ta publication. Alors, attention. Un lien par jour, tu choisis la plateforme. Parce qu'on ne veut pas faire du spamming, on veut que ce soit authentique. Donc, tu choisis le lien que tu veux pousser ce jour-là. Donc, un lien par jour, tu te rappelles que tu cliques sur les liens des trois commentaires qui sont au-dessus de toi. Par exemple, je te donne cet exemple-là d'hier, par exemple. Moi, j'avais mis mon lien ici. Là, c'est Jacinthe qui avait mis le sien. Donc, si moi j'étais une Madame X ici qui mettait mon lien, il faudrait que je fasse que j'aille voir sur les trois liens au-dessus de moi, les cliquer. Tu fais comme clic droit, open link. Je sais pas si ça va te donner ça. Tu vois, si je monte, puis hop, ça t'amène au post de la personne. Et là, tu vas aller commenter, tu vas ajouter ton prochain commentaire. OK? Tu prends trois personnes, tu postes, une fois que toi, tu as fait ton copier-coller de ton lien, tu prends trois personnes au-dessus de toi et tu vas aller commenter, poser tes questions, contribuer à la conversation sur leur post. Donc, je répète, si tu te sens seul, si tu as besoin de plus de pour voir ce que tu, le truc de malade que tu prépares dans ton entreprise et que tu veux que plus de personnes en soient conscientes, ok, pour augmenter la portée de tes vidéos, de tes images, de tes textes dans les réseaux sociaux, rejoins-nous dans Agir, Interagir, Grandir. C'est gratuit pour l'instant. Mon but, c'est vraiment de rassembler des femmes incroyables, entrepreneurs, de se lancer ensemble, de se soutenir et de grandir ensemble et de découvrir des personnes qu'on n'aurait jamais découvertes, de se faire des nouveaux amis, potentiellement des nouveaux partenaires d'affaires, potentiellement des nouveaux clients, parce que ça arrive. Alors, sur ce, si tu as des questions, tu peux m'envoyer un message privé parce que peut-être que tu as besoin de plus que ça, peut-être que tu veux directement te lancer dans un coaching avec moi, si tu as des questions par rapport à ça. Tu m'envoies un message privé sur ma page Facebook ou sur Instagram. On peut se rencontrer pour un appel exploratoire si tu es prêt. Alors, en attendant, rejoins-moi dans Agir, Interagir, Grandir parce que c'est là que ça se passe en français. À bientôt!